Je vous présente Trektor, donc le premier robot hybride qui permet de s'adapter aux différents types de vignobles, que ce soit en vigne étroite ou vigne large. Vous voyez donc la voie réglable et toute la hauteur réglable ici, avec le 3 points classique de catégorie 2 sur lequel vous pouvez venir adapter tous vos outils. La voie est réglable à plus de 2 mètres et la hauteur à plus de 1,50 m. Alors il va faire tous les travaux du sol, tous les travaux de préparation de la vigne jusqu'à de la pulvérisation. Ça peut être tracté, ça peut être emporté, ça peut être des outils qui viennent se mettre sur son 3 points classique de catégorie 2 ou bien sur des outils entre les roues. Effectivement, il y a un arpentage de parcelles de reconnaissance à faire pour qu'il connaisse ses limites de travail et par exemple en viticulture, reconnaître ses différents rangs. Oui, donc il y a un arpentage de départ et ensuite il est totalement autonome sous la supervision de son propriétaire. La réglementation oblige aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui voit le robot et donc qui surveille le robot. Voilà, mais ça n'empêche pas de travailler autour du robot. L'apport d'avoir un moteur hybride permet d'être autonome en énergie sur 24 heures. Hein, on a tout le temps de l'énergie disponible pour effectuer nos travaux. Il est diesel et électrique comme sont les voitures automobiles modernes. Donc le moteur thermique vient recharger, régénérer des batteries électriques. Il peut très bien travailler en zone silencieuse ou en énergie diesel. On l'a essayé dans différents endroits de France, dans différents vignobles, en vigne étroite ou vigne large. Donc les résultats sont bons puisque on change pas les habitudes de l'agriculteur, on vient vraiment réutiliser les outils qui existent.